Bonjour à tous, me voici devant la concession Benelli à Cuers, donc c'est Scuderia Moto. Et je suis là pour vous proposer une sortie moto abonnée, voilà si vous voulez. Donc il n'y a pas d'événement sur Facebook, je le lance comme ça. Sur YouTube, il n'y a pas forcément de place limite, de toute façon je pense qu'on ne sera pas plus de 15 motos. La limite officielle c'est 20 motos par groupe. Et après il faut prévenir la préfecture, tout ça, ou alors diviser en deux groupes. Voilà, mais bref, on va éviter ce genre de choses. Donc, comme ce week-end, il va faire un temps comme aujourd'hui, un temps radieux, voilà, je propose une petite sortie moto. Alors, ce ne sera pas une grosse sortie moto. On va faire du genre le classique, hein. On va rester autour de Toulon. On va partir dans les terres, bien sûr, mais on va faire des petites routes sympas. Mais pour ceux du coin, forcément, vous allez dire, bon, c'est chiant parce qu'on va faire des routes relativement classiques. Donc vraiment cette sortie va s'adresser à des gens qui font pas beaucoup de motos ou qui connaissent pas la région. Là, ça va être génial pour eux. Voilà, pour les habitués du coin, vous allez dire oh là là, c'est des routes classiques et tout, oui. Évidemment. Mais bon, c'est juste pour faire tourner la gomme. Il fait bon. Là, il doit faire 18-19 degrés, un grand soleil. Ce week-end, ce sera le même temps. Voilà. Donc je vous invite à me rejoindre. On mangera ensemble. Prenez j'allais dire un barbecue. Oui, prenez un barbecue, ce serait génial ça, mais non, non, prenez un pique-nique, on va s'installer quelque part. Rien n'est prévu, je vous donne l'heure, l'endroit et le tracé, on verra, on va se faire espigouler, des trucs comme ça, hein. Col de l'Ange, espigouler, on va faire des trucs sympathiques. Quoi d'autre? Le lieu de rendez-vous, je mets tout dans la description de la vidéo. C'est station, on va faire du simple, hein. Station service Carrefour Grand-Var, au feu vert de la garde, hein. On va dire quoi, 9h30, 10h? Allez, disons 9h30. Allez, 9h30 à station essence Carrefour. Oui, je suis un petit peu hésitant parce que c'était pas du tout prévu. 5 minutes avant, c'était pas du tout prévu. Voilà, c'est parce que la concession Scuderia Moto, qui m'avait prêté la 502C lorsqu'elle était sortie, m'avait prêté un week-end. J'avais fait déjà une sortie moto avec vous. M'a reproposé de me prêter une moto. C'est pour ça que je suis là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me prête? Attends. Là, je me suis trompé de sens. Oh! Une Benelli 752S. Eh oui, ils l'ont reçue il y a quelques jours. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me la prêter un week-end pour faire une vidéo essai et faire une sortie avec mes abonnés? Et il m'a dit oui, sans hésiter. Donc, vraiment, je remercie énormément Daniel de la concession Scuderia Moto. C'est le patron, vous allez voir, c'est un mec super passionné. C'est ça que j'aime bien. La concession fait d'ailleurs MV Agusta, Royal Enfield, donc tu vois, déjà, c'est pas des motos de tous les jours, c'est des motos déjà de passionnés. Voilà, je vous la fais chanter un petit peu? Allez, c'est parti. Allez, contact. Je l'ai fait chauffer hein, avant de la démarrer. Le compteur, tu vois, le compteur est très très sympathique. Allez, go. Tu vois déjà le pot. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette moto. Je pense qu'il y a plein de choses à dire sur cette moto. Perso, j'ai l'impression qu'elle ressemble un peu à une Ducati. Mais franchement, en vrai, elle est énorme. Il y a une fourche de 50 mm. 50, regarde ma main. Regarde ma main. J'arrive même pas à en faire le tour de la fourche. Tu vois, un peu comme ma. Bon, ça c'est une blague de merde. Voilà. Il y a un radiateur immense. Regarde, un radiateur immense. Non, sérieux. Pas mal du tout. Le pot, il est assez court, tu vois. Il monte bien et il chante surtout très bien. Ça, c'est sympathique. En fait, si à l'oreille tu me fais deviner, je vais te dire, ça ressemble à une Ducat. Le bruit est assez agressif. J'aime bien. Il est caverneux, agressif. Oh là là là, j'aime beaucoup la sonorité. Ah, franchement, j'ai déjà hâte d'être ce week-end. C'est sympathique. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous à 9h30. L'adresse sera dans la description de la vidéo. Voilà, si vous n'arrivez pas à accéder aux informations, vous m'envoyez un petit message ou un privé sur ma page Facebook. Les règles,
Attention, j'en ai pas parlé, les règles de respect un petit peu de tous. Oh purée, c'est pas beau ça. Ouh là là, ça c'est pas beau ça, ça faut virer ça. Bref, pardon. Les règles, donc ça va être pas de fond de jeu. Ne vous attendez pas à ce qu'on mette les cale-pieds par terre hein, ce week-end. On va rouler tranquille, on va enrouler. On va être un petit peu dynamique, mais tout en respectant, on va dire, à peu près les vitesses, bien sûr. Hein. Pas trop d'excès. Donc respect, hein, respect des autres usagers. On ne fait pas n'importe quoi, pas de roue arrière, on ne double pas n'importe comment. Je le rappellerai le matin même de la sortie, mais je vous fais confiance sur ça. Voilà, on ne va pas se tirer la bourre, on ne va pas faire des courses, on ne va pas finir dans le ravin, c'est pas le but. Les très débutants, pourquoi pas, ça peut être accepté, mais très débutants s'il y a, je sais pas comment gérer ça. Hein. S'il y a des très débutants, je pense que je ferai une sortie moto spéciale très débutant. Voilà. Donc si tu es trop débutant, ne t'engage pas. Là, on va rouler relativement dynamique. Voilà, puisqu'on va aller un petit peu dans l'esprit de la moto. On va rouler tranquille, mais tranquille plus. Quoi. Voilà. Ça va pas être sportif, mais ça va être un peu dynamique. Comme je disais, mais sans pour autant se mettre en danger. Voilà. Je vous dis à dimanche. Donc dimanche, nous serons le 23. Oui, c'est ça, nous serons dimanche 23 février à 9h30 devant la station avec le plein d'essence, évidemment, et ton pique-nique dans le sac à dos. Allez, ciao tout le monde.